La violence volume 7. Vis pas dans la lumière. Fais attention. Le verre vient à Dieu. T'atteins tout plus comme. You took the mic because you have something to say, and in general, it's because your life is not ça va. And this is very easy, because you just need a pen and a paper, then you write and then you drop your shit. Liège. Just like other post-industrial cities, imploded after the moving out of industries caused by globalization. A large amount of immigrant workers were left unemployed and found their new identities in subcultures. We reached out to some of the prominent people of the local underground hip-hop scene and asked them about how hip-hop influenced their lives. Ah, mes parents, ça fait un petit moment qu'ils sont là, bien avant moi. Non, c'est normal. Mais voilà, ouais, non, ben, mes parents, ils ont traversé le Maroc pour venir ici en France, puis en Belgique, ici en Belgique. Et voilà, ils sont venus très jeunes, à une époque de, je sais pas, ils avaient quoi, 17, 19 ans. Ce qu'il y a, c'est que l'époque n'était pas la même que maintenant, donc c'était pas qu'on partait vers l'Exode, enfin, qu'ils partaient vers l'Exode, etc. Pour pouvoir, enfin, pour vivre mieux, c'est qu'on les avait appelés, entre guillemets, donc voilà, pour venir travailler, avoir renfloué un petit peu... le travail qu'il y avait à faire ici et que certaines personnes ne voulaient pas faire. Mais bon, c'est pas grave. Les choses sont ce qu'elles sont en ce moment, donc voilà, maintenant... C'est un peu le strass, le glamour et le power et les effets. Échappe ma réalité façon documentaire arté. Plus de clarté que la télé t'a jamais apporté. Loin de l'esprit que l'organe des écoles portées. Les médias jouent sur le créneau télévisé. I'm born in Liège in 1972. So I'm always live here, up on the hill. Up on the hill is very important because this is where the playgrounds for basket were. This is also where the skaters were. There was a skate park and the graffiti. And then the rap, people who begin to rap were there around also. We always say it's the birth of hip hop is up on the hill, near our neighborhood. My first approach with hip-hop was in 1984. We had a show on French television called Hip-Hop, and each week they learn you a new step in the dance. Bon, je vais te l'expliquer. Il faut se tenir par la main, doigt croisé ou doigt croisé. And then, like maybe 1 or 2 years later, I had a spray and I made my first graph. Moi, le hip-hop, je l'ai rencontré en fait au Maroc. J'étais justement voilà, en vacances d'été avec mes parents, ma famille. Et voilà, il y avait un gars qui venait de Marseille, donc qui venait et qui lui aussi faisait de la musique là-bas. Mais moi, j'en faisais pas, mais j'écoutais, tu vois. Donc, parce que moi, le rap à la base, c'était à la TV, enfin les UMTV rap. Naughty by Nature's rockin' live for your MTV rap. You know what time it is. Army with harmony. Say OPP. Le type il me fait écouter des freestyles à lui, blablabla. Puis je dis, puis là ça, il y a eu comme un déclic, je me dis ouais c'est vrai que septembre, octobre ils ont suivi, donc jusqu'à 2017 on est encore là, et on lâche pas l'affaire. En live du 46-80, seul je me suis forgé, l'antipop t'as le microphone, il a su me dompter, je donne ça au maximum, même si le futur est complexe. Moi, j'ai grandi avec une bande de potes, voilà, avec qui je me rappellerai toujours, du moins toute ma vie, toute ma life. Et voilà, donc, ouais, non, une bonne jeunesse,
où on se souciait de rien, où voilà, il n'y avait pas de souci, l'autre qui était marocain, que l'autre qui était belge, que l'autre qui était black, voilà, on délirait tous, on jouait avec rien, on n'avait rien, on arrivait à faire quelque chose, tu vois, donc on s'amusait. Inch'Allah que pour la jeunesse qui suit, eh ben, ce soit la même, quoi. We saw the first video clips, etc., and everyone wanted to build his own identity. And in the suburbs, we have that mix of people of different cultures. And when they started to make music, I think that the identity was new. You know, they were talking about their hip hop community, the hip hop identity. You know, and it was something good because all these youth needed to be someone, and someone more than only a Moroccan guy or Italian guy or Congolese guy or Belgian guy too. And it was a way to forget all that differences and to be involved in a family, in a movement, you know. À l'époque, le rap, il avait un aspect, on va dire, rebelle, rébellion, donc révolution. On fait du rap parce qu'on n'est pas d'accord. On fait du rap parce que on veut pas qu'on nous dise « ferme ta gueule ». On avance, tu vois, je veux dire, nous aussi, on a des droits. Mais voilà, nous, on était jeunes, on savait faire quoi d'autre, ben, on rappait. Enfin, on savait faire d'autres choses, hein, pas de souci, mais ben, on se plaisait dans le rap. Donc, ouais, des... Tu sais quoi, les premiers textes de rap, c'était... la guerre, le sida, le racisme, c'est déjà les thèmes, tu dis ah pourquoi toi? Mais non, parce que c'est un message. Je pense que si j'avais pas ça, ce serait pas moi, ce serait pas Jawad, ce serait pas la Doshad, ce serait peut-être quelqu'un d'autre. Le rap m'a amené, voilà, c'est un souffle de vie, donc je respire, eh ben je respire hip-hop. J'aime bien la culture, j'aime bien ce qui me... Voilà, l'ambiance, tant que c'est bien fait, tu vois, ça part toujours, comme je répète. Tant que c'est un truc esprit underground, un bon esprit, tu vois, parce que voilà, c'est un art. Un art de vivre, à suivre. The lives of those we've spoken with have definitely been changed by hip-hop. Will hip-hop still have the same value to a new generation of immigrants, or will they discover a new way of identifying themselves?